Philippe est en train de passer le flambeau à son fils pour qu'il prenne sa place. Je pense que tu pourrais être utile à Carialis. Un poste important. Ils mettent la main sur Carialis et tu les laisses faire. Alfred a décidé de se présenter au poste de président directeur général de Carialis. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. Ce que je voulais vous dire, c'est que désormais, entre les Safai et les Cipriani, c'est la guerre. Ça y est, j'ai trouvé. Quoi ? Aristo de Savalas. L'heure est grave. Je vais faire aussi vite que je puis. Tu es en train de me dire que ces putains d'actionnaires vont voter pour Alfred de Saint-Faye. Le ton de la revanche a sonné. Antoine dort pas à l'hôtel. Antoine est SDF. Je veux dire que j'ai connu des gens meilleurs. T'as mon fric? C'était qui ce mec en bas? Qu'est-ce qu'il nous cache? 4 heures dans ce moment. Qu'est-ce se fait raqueter? Vous l'avez! Je croyais que tu détestais les préliminaires. J'ai l'impression que je m'en mettrai jamais, papa. Ethan, ma porte reste toujours ouverte. Non, je rêve, là! Oui, Arthur, c'est papa. Ouais, j'ai fait ce que tu m'as dit. Pardonne-moi pour ce que je vais faire. Putain, le rat! Il est là, ce putain de rat, je l'entends. Je l'entends, il est là, cet enculé de rat, là. Tu me parles? C'est le rat. Regarde, là. Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule, par hasard? Non, c'est le rat, là. Mon pognon, où est mon pognon? C'est bon, je vais te payer. Tu m'as pris pour un putain de banquier? T'as cru que j'allais te faire un petit découvert autorisé? Très bien, Lancelot, très bien. T'as de la chance. Je suis de bonne humeur. T'as pas mon fric, pas de problème. Tu vois pas d'inconvénient à ce que je prenne un petit avantage en nature? Quoi? La copine, tu l'aimes? La touche pas! Ok, tu l'aimes. La touche pas! Bah tu sais quoi? Ramenez-moi, on va s'en occuper pendant 2 jours. Non. Jusqu'à ce que tu me ramènes mon fric. T'inquiète pas. Ramon, il sait y faire avec les dames. Il est doux, il est sensible. Ah, Ramon! Non! Non! Allô? Arthur, c'est moi. Papa? Attends une seconde. Ouais, ça va, je suis seul. Je viens de voir ton message. Papa, ils ont pas le droit de te faire ça. Tu n'es pour rien dans cette histoire. Mais c'est à cause de la vidéo que j'ai piratée. Tout le monde pense que t'es un traître. Laisse-les croire ce qu'ils veulent. Même Tara et maman pensent que t'es coupable. T'inquiète pas, je vais m'en occuper comme je vais m'occuper de Cipriani. Il va payer. Tu vas faire quoi? Sauver mon honneur. Et je vais avoir besoin de toi. Il faut que tu m'apportes les clés des Cipriani. Et les codes d'entrée, je vais en avoir besoin. D'accord. Ok, pas. Ouais. Ouais, c'est bon, je l'ai, ouais. Je l'amène tout de suite. Hermione. Salut, beau gosse. Je connais ce regard. Qu'est-ce qu'il dit, ce regard? Il dit que tu cherches la merde. À quoi tu joues? Je joue pas. Ton cœur bat plus vite. Ouais. Mais plus pour toi. Mais ton cœur ne m'intéresse plus. Par contre, lui, j'aimerais bien le revoir une dernière fois. Mais où est passé l'Ethan Cipriani que je connais? Le tombeur qui ne sait pas résister devant une jolie femme? Je suis flatté. Mais je te connais par cœur, Hermione. Plus de surprise pour moi. Moi aussi, je te connais par cœur, mon chéri. Je ne sais pas résister à la tentation. Ah, tu vois, je résiste là. Ah non, tu fuis. Bon, écoute, je crois qu'il y a un truc que t'as pas compris, là. J'aime Lorraine. Et je veux pas la faire souffrir. C'est trop facile. Désolé. Je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Oui.
J'arrive. Il faut aller à l'hôpital tout de suite. Allez, Ramon. Va jouer avec la gamine. Non ! Laisse-moi ! Non ! Recule. Lâche-la. Tu bouges pas, Tara. Mademoiselle, mon ami et moi allons partir. Inutile de s'énerver. Mais je suis pas énervée. Bien. Très bien, dans ce cas, on va vous laisser. Tara, tu bouges, s'il te plaît. De toute façon, monsieur Lancelot, c'est parfaitement qu'on se reverra. N'est-ce pas, Lancelot? Allez, casse-toi. Mademoiselle, j'étais ravi de vous rencontrer. Très bientôt. Tout va bien, Tara. Ils sont partis. Clé. C'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé? Hein? C'est que le début, là. Pourquoi t'as sorti le grand jeu, là? Tu sais ce qui va se passer maintenant? Ils vont me buter. Ils vont me buter! Casse-toi! T'es vraiment trop con. Non mais je rêve. T'es à la rue et tu me le dis même pas, il faut que ce soit Victor qui me la prenne. Je traverse une mauvaise passe, c'est tout. T'as plus d'argent. Mais je vais trouver du travail. Je vais te donner de l'argent et tu discutes pas. Je vais me débrouiller, je te dis. Tiens. Bon mais, je te rembourserai alors. Si tu veux. Merci. Bon et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais retourner à Dijon. J'ai un pote qui va m'héberger. Et puis là-bas, je suis sûr de trouver du boulot. Bah, tu vas me manquer. J'espère bien. Je te laisse, ils m'attendent chez Carialis. Puis tu dépenses pas l'argent que je t'ai donné pour jouer au loto. Hein. Trop tard, c'est déjà fait. Hein. Ethan. Si les actionnaires ont décidé de me lâcher, c'est qu'ils y ont trouvé un intérêt. Et je veux savoir lequel. Ils ne peuvent pas avoir nommé quelqu'un comme Alfred sans avoir une bonne raison, tu comprends? Non, ne t'inquiète pas, je vais pas faire de conneries. Écoute, tu me rappelles dès que tu sais quelque chose. Aristote! Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on parle tous les deux. Tu as besoin de lui pour me parler. Non, lui, il est juste là pour assurer ma sécurité, t'inquiète pas. Bien sûr, c'est évident. Aristote, on va aller vite. Soit tu me dis comment Alexia vous a retourné contre moi, soit c'est lui qui pose les questions. Tu choisis. Tu me menaces. Exactement. Tu pensais que j'allais me laisser baiser comme ça sans réagir, dis-moi. Tu as vraiment des méthodes de voyou. Elle t'a rapporté un paquet de pognon, ces méthodes de voyou, comme tu dis. C'est la première fois que tu t'en plains. Alors vas-y, dis-moi. Ta réponse à ma question. Je t'écoute. Ils sont mignons, tes gosses. T'es content de leur école? C'est bizarre que tu les aies mis dans le public. Moi, je préfère le privé. C'est vrai, c'est cher, on paye, mais on s'emmerde pas avec ces grèves à la con. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Aristote. Je vais tout te dire. C'est mieux comme ça. Viens, on marche un petit peu. Comment ça, ils vont te buter? C'est quoi cette histoire? Je suis désolé, j'ai merdé. C'est quoi? Tu leur dois de l'argent, ils te raquettent, c'est quoi? J'ai une dette envers leur patron. C'est qui leur patron? C'est un type que j'ai rencontré en prison. Où ça, en prison? Elle fait de la prison? Oui. Pourquoi? Pour meurtre.
t'es branché, moi. Maman, Carialis va revenir au Safa comme vous l'aviez souhaité. Débranchez-moi. Vous ne pouvez pas me demander ça, merde! Vous avez passé votre vie à m'ignorer et maintenant vous voulez que je vous tue. Maman, je vais sortir. Je veux que tu restes ici. Je veux que tu vois ta mère et ta grand-mère régler leur compte. Vous ne m'avez jamais aimée. Et c'est à cause de vous que je n'ai jamais su, ma fille. Toute ma vie, vous m'avez culpabilisée. Et maintenant, vous continuez en voulant me mettre votre mort sur la conscience. Je ne vous ferai pas ce plaisir, maman. Je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Tu veux me manipuler parce que tu souffres. Et parce que tu veux tout contrôler jusqu'au bout. Elle les a payés. Cette salope les a achetés pour me faire tomber, tu y crois, toi? Ils ont tous accepté? Évidemment, c'est la crise. Ils ont besoin de cash, tu comprends? Elle leur a donné 500 000 euros à chacun, net d'impôts. Tu crois qu'ils vont cracher là-dessus? Le conseil d'administration est dans une heure. Je ne vois vraiment pas comment je vais rattraper le coup. On a pu réunir une somme pareille. Je pensais que Carialis était leur seule et unique fortune. C'est comme ça avec les aristos. Il y en a plus et il y en a encore. Ouais, quoi? Mais j'en ai rien à foutre de ça! Ah bon? Ok, j'arrive. J'espère pour vous que c'est vraiment urgent. Tout de suite. Si ça se trouve, Alexia compte reprendre l'argent dans la caisse de Carialis une fois qu'Alfred sera président. Impossible. Le trimestre a été catastrophique. Nos clients nous ont quittés les uns après les autres. Bon, en gros, il n'y a plus une thune. Juste de quoi tenir quelques semaines, c'est tout. Peut-être que les Sinfa n'ont plus d'argent, mais elle les a bien trouvés quelque part, les 5 millions d'euros. Et Lorraine a raison, il faut savoir comment elle a fait. Et ça nous avancerait à quoi? Mais j'en sais rien, c'est juste une info. Et tu comptes t'y prendre comment? T'inquiète. Je connais les fils de banquiers, et crois-moi, ils ont le bras long. Voilà, là vous êtes sur la page, il n'y a plus qu'à cliquer ici. Merci. Parce que je suis toujours un petit peu empoté avec ces trucs. Alors. Merci. Alors. Allez, déshabille-toi. Mais alors. On va faire l'amour. D'accord. Ouais. Ça va très bien se passer cette fois-ci, tu vas voir. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, on est là pour s'amuser, hein, juste à la cool, quoi. Ah bah c'est ça, c'est à la cool. Je suis sûre qu'on va s'éclater, Victor. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. Et tu te mets pas toute nue, toi? Bah non, tu vas m'enlever mes sous-vêtements, c'est vachement plus érotique. Ah bon? Ah bah je remets mon caleçon, alors. Mais non. Toi, t'es le viril homme des bois qui vient d'effleurer la jeune fille en fleurs que je suis. Ouais, l'homme des bois, c'est cool, ça. Ouais. Puis ce qu'il y a de bien en plus, c'est que
comme on n'est pas amoureux, bah, il n'y a pas de problème d'affectif à gérer après. Ça, c'est mortel, ça. On n'est pas bien, là, hein? On n'est pas amoureux, mais... T'as quand même un peu des sentiments pour moi, non? Bah non, pourquoi? Donc tu veux me baiser, mais tu t'en fous de ma gueule? Ah non, non, j'ai pas dit ça, c'est juste... T'es bonne, t'es une bonne copine, une amie. Donc mon cul, ça va? Mais tomber amoureux de moi, c'est pas possible. Ah non, non, pas du tout. Je pensais qu'il y avait rien de sérieux entre nous, toi. C'est... Putain, c'est pas une raison, Victor. On n'est pas des machines, quoi. Ça n'empêche pas les sentiments. Mais non, mais... Mais tu me touches pas, tu te casses, tu dégages. Arrête. Me touche pas. Non, mais tu dis ça parce que t'es énervée, là. Tu veux pas te casser, okay. Arrête. Eh ben, tu vas te casser, tu vas non, te mais... dire. Jade. Non, mais arrête. Arrête. Non, Jade. Jade. Ah, Jade, reviens, c'est pas drôle, sérieux, là. Hein. Y'en a marre, là. Hein. 12. 27. 37, 8, 6. Oh. Un lipam. Et le caleçon est amoureux. Jean, petit chat, arrête. Le pantalon, la chaussure. Donne-moi ça. Non. Donne-moi ça, toi. Donne. Là. T'es amoureux maintenant. Je suis riche. D'accord. Moi aussi, je suis riche, Antoine, mais je voudrais juste récupérer mon oreiller, là. On va procéder maintenant au vote pour la désignation du nouveau président de Carielis. Vous avez tous reçu la candidature d'Alfred de Saint-Faille, qui estime, au vu de ses ennuis judiciaires, que Philippe Cipriani n'est plus à même de diriger la société. Bien, tout le monde est au courant des saloperies qu'a déversé Alfred sur mon compte. Continue, je t'en prie. Tout est vrai. Toi, ta gueule. Comment ça, ta gueule? Ne me parle plus sur ce ton. Je ne suis plus ton larbin, Philippe. Julien, vous pourriez faire accélérer le vote, s'il vous plaît. J'y arrive. Je dois d'abord laisser la parole à Alfred de Saint-Faille. Et Philippe Cipriani. Philippe? Ça va être très rapide. Sans moi, cette boîte n'existerait plus. Et vous auriez tous perdu beaucoup d'argent. Vos hôtels particuliers, vos costards sur mesure, vos maisons en Corse, tout ça, c'est grâce à moi. Et à personne d'autre. Pour être clair, si vous me lâchez, vous êtes mort. Et avec Alfred aux commandes, la boîte coulera plus vite que le Titanic, je vous le promets. Ah oui, j'oubliais. Alexia... Le pognon que tu as versé aux actionnaires n'y changera rien. Oui, je suis au courant. Je n'oublierai pas. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Alfred, à vous. Bien. Même si nous sommes tous d'accord pour souligner le travail de Philippe Cipriani... Arrête tes violents, connard. Ces derniers temps, la société a failli passer au bord du gouffre suite à un certain choix de gestion, mais alors catastrophique. Et d'une communication de merde. J'ai fait ce que j'ai pu, Philippe. Tu peux pas... Julien, faites procéder au vote, s'il vous plaît. Tu es si pressé de le voir à terre, Alexia. J'ai tout mon temps. Bien. J'ai reçu les votes par procuration de Saban et Chenet. Nous allons procéder au vote à main levée. Qui est pour la candidature de Philippe Cipriani? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Mes chevaux? Où est-ce que tu as trouvé ça, toi? Tu as vendu le haras et mes chevaux pour acheter les actionnaires? Julien, continue, qu'on en finisse une fois pour toutes. Tu as vendu la seule chose qui comptait pour moi! Arrête de pleurer sur tes canassons. C'est l'intérêt de la famille qui est en jeu. Nous devons reprendre Carielis. Tu te fous de notre famille. La seule chose qui compte, c'est toi dans cette histoire! Mais qu'est-ce que tu crois, Alfred? Que ces abrutis d'actionnaires allaient voter pour toi et pour tes qualités de manager? Il fallait les corrompre, j'ai trouvé l'argent là où il était. Bon, je retire ma candidature. Non, je me présente à sa place. Savalas, je bloque cette vente. Vous ne toucherez jamais cet argent! Félicitations. Tu vas pas les laisser faire? Ton père vient de nous prouver qu'il a plus d'amour pour ses chevaux que pour nous. Il n'y a plus rien à faire. Attends, ça peut pas finir comme ça. C'est notre argent, c'est mon héritage. Ta sœur jumelle est en passe de tout récupérer à ta place. Finalement, c'est Lorraine qu'Alfred aurait dû voler à Odile, pas toi.
décidé un truc. Quoi, tu vas ranger ta chambre? Notre ombre heureuse. Et c'est pour ça que je dois autoriser les femmes de ménage à entrer dans ma chambre, alors je le ferai. Est-ce que tu crois vraiment qu'un fils à papa pourrait me rendre heureuse? Laisse-moi essayer. Une certitude, c'est elle. Je t'aime, Lorraine. T'es amoureuse? J'ai envie de toi. Pour moi, c'est... J'ai envie de te faire l'amour. Je t'aime.